يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، La semaine passée, rappelez-vous, on en était arrivé au cours numéro 2 du livre, qui consistait à éclaircir ce qui est en lien avec les piliers de l'islam. On s'était attaqué au premier pilier de l'islam, qui n'est autre que les deux attestations de foi. Et on en avait terminé avec la première attestation de foi, La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, attribuant le droit exclusif de l'adoration à Allah. On avait détaillé ce qui était en lien avec le mérite de cette attestation, de manière assez brève, son sens, sa construction, le fait qu'elle est bâtie sur une négation et une affirmation, ses conditions. En rappelant que, effectivement, cette attestation est bien la porte du paradis, la porte qui donne, la clé de la porte qui donne accès au paradis. Si on peut accepter cette image que Wahb ibn Munabbih nous avait faite, rahimahullah, mais que cette clé comporte des dents, comme toute clé, et que ces dents sont ces conditions que nous avions traitées. On va maintenant se pencher sur la deuxième partie du pilier, numéro 1. Du premier pilier, l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur, rahimahullah, il nous dit « Ma'a bayani anna Muhammadan rasulullah » tout en clarifiant le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Comme je le disais, on va se pencher maintenant sur la deuxième partie du premier pilier. L'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette attestation qui attribue donc la prophétie à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Son sens, c'est que tu aies pour croyance qu'Allah l'est envoyé avec la religion de l'islam. L'islam dans son sens précis. Et cette attestation consiste à suivre exclusivement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme l'attestation « La ilaha illallah » consiste à concrétiser l'unicité d'Allah et lui vouer un culte exclusif. Donc tout comme l'attestation « La ilaha illallah » consiste « Ma'naha tawhidullahi azza wa jal wa ikhlasu d-dini lahu fa kadhalika hadhihi shahada ma'naha tajridul mutaba'ati للنبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui renie donc Mohammed صلى الله عليه وسلم en tant que messager est un mécréant par unanimité de la communauté. Que n'en déplaise à ceux qui pensent que le croyant, c'est celui qui, comme en français, croit en l'existence de Dieu. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je précise ça? Certains me diront. Parce que certaines personnes, jusqu'à aujourd'hui, moi, ça m'est arrivé de rencontrer certaines personnes qui s'affilient à l'islam, qu'Allah nous guide ainsi qu'eux, qui ont une ambiguïté qui est très dangereuse. Le fait de considérer croyant au sens large toute personne qui croit en Dieu, en son existence, comme ils le disent. Pourquoi souvent ils ont cette ambiguïté-là? Parce qu'en français, c'est vrai que le terme croyant, il est assez vaste. Le problème, c'est que tout le monde est croyant en quelque chose. Même l'athée,
En réalité, il est croyant dans ce sens-là. Dans sa croyance au néant, dans sa croyance qui réside dans la non-croyance en une divinité qui lui impose des commandements, il est croyant. Donc, selon leur ambiguïté, on pourrait même faire rentrer toute personne qui prétend une certaine croyance du nombre des croyants vantés dans les textes. C'est pour ça que ça passe pas que de considérer, parce que souvent, eux, ils veulent faire rentrer les chrétiens et les juifs parmi les croyants, alors qu'ils sont mécréants par unanimité de la communauté musulmane. Ce qui importe dans la religion, dans les textes où le terme croyant il est utilisé, ce n'est pas tout ce qui est caractérisé, tout ce qui mérite d'être appelé croyant au sens large, quelle qu'elle soit. Mais ce qui est vanté dans les textes, les croyants qui sont vantés dans les textes, et qui viennent, par exemple, nous attester que tout croyant finira par rentrer au paradis, c'est les croyants qui ont une croyance bien précise, pas n'importe laquelle. Le croyant, la croyance, faut qu'elle soit bonne pour que celui qui est caractérisé par elle bénéficie des avantages des croyants dans les textes. Parce qu'ils viennent et te disent, oui, mais eux, c'est des croyants aussi, les chrétiens et les juifs, ils croient en Dieu, etc. etc. Oui, mais croire en Dieu, c'est pas en l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça suffit pas. C'est pas ce qui suffit pour être considéré comme un croyant. Ce n'est pas toute personne qui croit en Dieu qui aura le traitement qu'auront les croyants désignés par Allah et son messager dans les textes. C'est plutôt ceux qui auront cru comme Allah l'a voulu, en ayant la croyance minimale qu'Allah a voulu. C'est pas la croyance que toi ou toi, tu désires. C'est la croyance qu'Allah désire. Et depuis l'envoi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la foi en ce prophète et le suivi de sa législation, c'est devenu une condition de la validité de la foi. Personne ne mérite d'être qualifié de croyant à partir de l'envoi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est celui qui donc croit effectivement en l'existence d'Allah, mais suit aussi sa législation. Donc, il croit en l'existence d'Allah, en sa seigneurie, en son droit à l'adoration, en ses noms et attributs, etc., etc., comme on le verra dans les piliers de la foi. Le seul croyant, c'est celui qui croit aujourd'hui, qui atteste de cette attestation-là. La ilaha illallah, wa anna Muhammad ar-Rasulullah. Il faut croire, mais pas comme toi tu le souhaites, ou un tel ou tel. C'est Allah qui choisit la foi qu'il faut. La foi obligatoire minimale dans chaque pilier de la foi, comme je l'ai dit. Je rappelle que je précise ça parce que ça m'arrive de rencontrer des musulmans qui ont cette très grave erreur dans la croyance, le fait de ne pas vouloir rendre mécréants les juifs et les chrétiens, sous prétexte qu'ils sont à l'origine basés sur une religion céleste, qu'ils croient en Dieu, en un Dieu, soi-disant, en mettant de côté le fait qu'à la base, leur religion, premièrement, elle est falsifiée, et deuxièmement, tu ne trouves pas un mouahid parmi eux aujourd'hui. Ils associent tous à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu trouves tous en eux des formes d'association à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et suffirait pour démontrer leur mécréance à la base le fait qu'ils mécroient en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit. Mais on revient au sujet. Le fait que l'attestation de l'unicité d'Allah n'est pas valide et acceptée sans que la personne n'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui nous intéresse. Le fait de dire que l'attestation qu'Allah est la seule divinité en mérite d'être adorée ne suffit pas pour rentrer en islam. Il faut absolument la deuxième partie, c'est ce qui fait de ces deux attestations un seul et même pilier, c'est que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et si contre, je vous avais mis des preuves qui indique à partir du Coran, de la Sunna et l'unanimité des savants de la communauté, qui indique ce fait-là, qu'il faut absolument croire au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être considéré comme croyant. Et que sans ce fait-là, la personne, elle est mécréante, quelle que soit sa religion. Quand bien même sa religion, c'était auparavant, avant l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une religion qui était acceptée en son temps.
Parmi les preuves du Coran, un verset que j'ai cité la semaine passée, dans le dernier cours. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager. Ce sont eux les vrais croyants. Et parmi les preuves aussi qui nous montrent que toute personne qui prétendrait une quelconque foi, que ce soit un chrétien, un juif ou toute autre personne, qui prétendrait être du sens du nombre des croyants, mais ne croit pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est mécréant, on a cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Et celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, nous avons préparé pour les mécréants une fournaise ardente. Ce verset, il indique bien la mécréance de celui qui rejetterait, qui n'attesterait pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé d'Allah, qui ne croirait pas en lui, en son envoi. Comment on l'extrait, cette leçon-là de ce verset-là? Le fait qu'Allah, il nous dise, après qu'il parle de celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, qu'il nous nomme cette, enfin qu'il nous parle ensuite des mécréants, comme Cheikh Saadi et beaucoup d'autres l'ont précisé, ça implique bien que celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, il fait partie de ces personnes. C'est pour ça que le Cheikh Saadi, dans son explication de ce verset-là, il te dit وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ مُسْتَحِقٌ لِلْعَذَابِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Il te dit, celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, le sous-entendu dans cette phrase-là qui n'a pas été citée, c'est alors il est mécréant et il mérite le châtiment. Et nous avons préparé pour les mécréants une fournaise ardente. Dans la sunna, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Muslim, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي يَهُدِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي جِئْتُ بِهِ أَوْ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, n'entend pas parler de moi, un chrétien ou un juif, puis meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, si ce n'est qu'il sera des habitants de l'enfer. Donc, dans ce hadith-là, on a bien une indication plus qu'évidente que toute personne qui ne croit pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et n'atteste pas de cette attestation-là, il est mécréant, il sera en enfer. Même si c'était à la base une personne qui prétendait la foi en une religion précédemment acceptée. Non. Après l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute autre religion, par unanimité des savants, elle est abrogée, elle n'est plus acceptée. وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَذَا مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, alors ceci ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il n'y a pas besoin de philosopher des heures et des heures. Les textes y sont clairs. Ceux qui croyaient et qui ont suivi ces prophètes pendant que leur religion elle était encore en vigueur et acceptable, ils auront leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité, parce que je précise parmi les spécificités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il a été envoyé, c'est le seul messager envoyé à toute l'humanité, tous les gens doivent lui répondre. Tous les gens doivent lui répondre. Dans le hadith, notamment rapporté par Al-Bukhari Muslim, on dit tout khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Lam yu'tahunna nabiyun min qabli. On m'a donné cinq choses qu'on n'a données à aucun prophète avant moi. Wa minha bu'ithtu ila an-nasi kaffa wa kana an-nabi yub'athu ila qawmihi khassa. Parmi ces spécificités par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur tous les autres, le fait qu'ils nous disent on m'a envoyé à toute l'humanité, alors que les prophètes, les messagers avant moi, ils étaient envoyés à un peuple
précisément. Si on l'a envoyé à toute l'humanité, c'est pour, bien entendu, que tout le monde lui réponde, parce que tout le monde est concerné par le fait de devoir lui répondre. Si tout le monde est concerné par l'obligation de devoir lui répondre, c'est que toute autre religion, quand bien même auparavant elle était acceptable, si on acceptait l'idée qu'elle n'était pas falsifiée, etc., etc., c'est qu'elle est plus acceptée. Si on admet qu'elle n'était pas falsifiée aujourd'hui et qu'il n'y avait pas d'association dans cette, à la base, religion qui est qualifiée de samawi à l'origine. Et l'unanimité de la communauté atteste de ce fait, de cette vérité, que celui qui ne reconnaît pas la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le suit, il est mécréant. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas, parce que certaines personnes, quand tu les écoutes, ils te disent comme s'il y a musulman, il y a mécréant et il y a un juste milieu entre les deux. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de juste milieu entre les deux. Il n'y a pas de juste milieu entre les deux. Il n'y a pas musulman, quelque chose, et mécréant. Soit l'un, soit l'autre. Oui, le terme croyant, il est intéressant quand on veut parler des... Par exemple, regrouper les gens qui ont cru en leur prophète qui était envoyé à leur temps pendant que leur religion, elle était encore acceptée. Donc oui, si on peut résumer la chose de la sorte, les chrétiens qui ont suivi Isa alayhi salam, ils auront leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où ils étaient min al-muwahidin, etc. Les gens qui ont suivi Moussa alayhi salam, ils auront leur récompense auprès d'Allah, et c'est des croyants. Tant que cette religion-là elle est acceptée, etc., etc. Mais après l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les religions ont été abrogées. Rien n'est accepté en dehors de l'islam dans son sens précis, à savoir la religion avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Parmi les unanimités qui prouvent ce fait-là, qu'une personne qui rejetterait la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant, et qu'il faut absolument prononcer cette attestation-là pour faire partie des musulmans, des croyants, les unanimités rapportées sur la mécréance de celui qui a pour religion une religion autre que l'islam. Comme ce que je vous ai joint ci contre, affilié à Al-Qadi Iyad, mort en 544 de l'Hijr, dans son livre Ash-Shifa, ou ce qui est affilié, ou du moins ce que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, mort en 728 de l'Hijr, a dit dans son Majmou' al-Fatawa, « وَقَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالْإِجْمَعِ أَنَّ مَنْ بَلَغَتْهُ رِسَالَةُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْاَعْتِذَارِ بِالْإِجْتِهَادِ لِظُهُورِ أَدِلَّةِ الرِّسَالَةِ وَأَعْلَامِ النُّبُوَّةِ. Il est fermement indiqué dans le livre, la Sunna, et par l'unanimité de la communauté, que toute personne à qui est parvenu l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne croit pas en lui, il est mécréant. L'excuse par l'effort d'interprétation, l'ijtihad, n'est pas acceptée de lui, de par l'apparition des preuves de son envoi et des signes de sa prophétie. » Fin de citation d'Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans 751 de l'Hijr, l'élève par excellence d'Ibn Taymiyyah, hein, pas besoin de le préciser, nous appuie aussi ce fait-là dans son livre « Ahkam Ahli Dhimma », volume 1, page 533 de l'Égypte. Page 533. Il nous dit « وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ وَصَحَّ الْإِجْمَعَ بِأَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ نَسَخَ كُلَّ دِينٍ كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ مَنْ إِلْتَزَمَ بِمَا وَأَنَّ مَنْ إِلْتَزَمَ مَا جَاءَتْ بِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَلَمْ يَتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ كُلَّ شَرِيعَةٍ كَانَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَسَائِرِ الْمِلَلِ وَافْتَرَضَ عَلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ فَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ الْإِسْلَامُ وَلَا فَرْضَ إِلَّا مَا أَوْجَبَهُ الْإِسْلَامُ. Une parole très forte dans laquelle Ibn al-Qayyim il nous dit: le Coran, j'ai oublié de vous la mettre, pardon. Le Coran a indiqué, l'unanimité a confirmé aussi le fait que la religion de l'islam a abrogé toute autre religion avant elle. Et que celui qui suit ce qui est venu dans la Torah ou l'Évangile et ne suit pas le Coran est mécréant. Allah a rendu nulle toute législation qui était dans la Torah, l'Évangile et toute autre religion. Et il a rendu obligatoire aux djinns et aux hommes les rites de l'islam.
Il n'y a donc pas d'interdit, si ce n'est ce qu'a interdit l'islam, et pas d'obligatoire, si ce n'est ce qu'a considéré obligatoire l'islam. Fin de citation d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. On a aussi les unanimités pour indiquer ce fait, le fait qu'il faut absolument que la personne atteste que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour être compté parmi les musulmans et croyants. J'appuie ce fait-là. Les unanimités rapportées sur la mécréance de celui qui rejette ne serait-ce qu'un seul prophète. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre Minhaj al-Sunnah, tandis qu'il nous parle de ceux qui rejettent la prophétie de certains prophètes comme Moussa, Isa, etc. Il nous dit « Bal il muslimoun muttafiquuna ala kufri man aqarra binubuwati ba'dihim duna ba'd wa anna man kafara binubuwati Muhammad wa aqarra bi ahadi hadain ay Moussa wa Isa alayhim assalam fahuwa a'zamu kufran mimman aqarra bi Muhammad wa kafara bi ahadi hadain. » Il nous dit « Les musulmans sont unanimes sur la mécréance de celui qui approuve la prophétie de certains, mais pas d'autres prophètes. Et ils sont unanimes sur le fait que celui qui mécroit en la prophétie de Mohammed et croit en l'un des deux autres, Moussa et Issa, est pire en mécréance que celui qui croit en Mohammed mais mécroit en l'un des deux. » Fin de citation. Les savants, ils sont unanimes sur ce fait-là. Celui qui mécroit en un prophète, il est devenu mécréant. Il est sorti du nombre des croyants, si on admet qu'il en faisait partie à l'origine, bien sûr, pour devenir mécréant. Même un seul prophète, mécroyant un seul prophète, ça suffit pour sortir de l'islam, ça suffit pour mécroire de manière générale. D'ailleurs, les savants, ils ont extrait cette leçon d'un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il nous dit كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh a démenti, a traité de menteurs les envoyés. Les savants, ils te soulèvent une remarque très intéressante de ce verset. Ils te disent, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le peuple de Nuh, il a démenti les, au pluriel, envoyés. Alors que Nuh, c'est le premier messager. Entre guillemets, c'est le premier envoyé. Pourquoi Allah il utilise, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala utilise-t-il le pluriel? Ils ont traité de mensonges, de menteurs, les messagers. Alors qu'il n'y en a eu qu'un qui a été envoyé pour l'instant. Ils n'ont pu en traiter de menteurs qu'un. Ils te disent, c'est pour une leçon très grande, pour indiquer que celui qui mécroit en un envoyant, un prophète, c'est comme s'il avait traité de menteurs tous les prophètes. Donc, suffit pour démontrer la mécréance d'une personne, quelle que soit sa prétendue croyance à l'origine, qu'il mécroit un prophète, qu'il mécroit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut trouver aujourd'hui des musulmans qui, ou al-iyad billah, des gens donc, qui affirment l'islam et qui considèrent valide, considèrent croyant le chrétien ou le juif? C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, il dit à la base, si ces gens ils étaient vraiment croyants en Isa et en Moussa, ça les appellerait à croire en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il te montre que quand ils ont mécru en réalité en Mohammed, c'est en tous leurs prophètes même qu'ils ont mécru. Wal'iyadhu billah. L'auteur nous dit ensuite, petite parenthèse, j'ai remarquez une personne qui a soulevé une question, une interrogation. Inch'Allah, en ce qui concerne les questions, on aura un moment à la fin du cours pour en parler, Inch'Allah. Le frère qui a posé cette question, qu'il la retienne, qu'il l'écrive, et toute personne d'ailleurs qui en a une, et on aura un moment entre nous à la fin du cours, Inch'Allah, pour répondre à ce dont on est capable de répondre à la fin du cours, Inch'Allah. L'auteur nous dit ensuite, rahimahullah, wa muqtada, ay muqtada shahadat anna Muhammad rasulullah.
تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ce qu'elle implique, cette attestation que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est de le croire en ce qu'il a informé, de lui obéir en ce qu'il a comme ordonné, de s'écarter de ce qu'il a interdit et blâmé, et de n'adorer Allah que parce qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, auront légiféré. Fin de citation de l'auteur, rahimahullah. Cette attestation, Mohammed est le messager d'Allah, elle implique des choses. On a parlé de ce qu'elle veut dire, mais elle implique aussi des choses. Des conséquences demandées apparentes et en réalité logiques. La personne ne peut donc être comptée parmi les gens attestant que Mohammed est le messager d'Allah véritablement et de manière véridique que si elle concrétise ces choses-là qu'implique ce témoignage. La personne, en d'autres termes, ne sera véridique dans cette attestation que si elle s'impose de suivre ce qu'implique ce témoignage. Encore en d'autres termes, on est censé apercevoir de celui qui atteste de cela plusieurs choses émanées d'elle. Notamment quatre indiquées par les savants précisément ici. Celui qui atteste que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on est censé de voir de lui plusieurs choses, notamment quatre. On pourra en citer d'autres, hein, en réalité, mais notamment quatre, qui sont généralement mentionnées par les savants. Premièrement, lui, obéir dans ce qu'il ordonne. Le fait que tu aies attesté que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah, implique logiquement que tu lui obéisses dans ce qu'il t'ordonne. Car lorsqu'il t'ordonne, c'est Allah qui t'ordonne. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous souligne ce fait en nous disant « Man yudri'i al-rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafidha » Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé aux gens comme gardien. Et Allah, il nous dit aussi وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah est dur en punition. Attester que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, implique donc que tu lui obéisses dans ce qu'il ordonne. Parce que lui obéir, ça obéir à Allah. Il est le transmetteur au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ça implique d'attester de la véracité de ce dont il nous transmet comme information. Celui qui atteste que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est censé, s'il est véridique dans cette prétention, encore une fois, considérer véridique le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il nous transmet comme information au sujet des récits passés. Bad'ul khalq, que ce soit concernant le début de la création, que ce soit les événements futurs à venir, les signes de la fin des temps, que ce soit les choses liées à l'au-delà, que ce soit lié de manière générale aux choses de l'invisible, le monde des djinns, le monde des anges, il est censé attester de la véracité de ce qui lui parvient du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment où c'est authentique. S'il est véritablement croyant, véridique dans sa prétention. Celui d'ailleurs qui ne rend pas véridique le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce dont il
nous informe. Alors qu'il sait que c'est authentiquement rapporté de lui, dans le cas où, par exemple, c'est un hadith. C'est la forme qui nous est applicable aujourd'hui. Vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, il ne te transmet rien de manière directe, ce qui t'est transmis comme information de sa part, ça te parvient sous forme de hadith aujourd'hui. Donc si on l'applique à cette situation-là, celui à qui parvient un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont il reconnaît l'authenticité, dont il en reconnaît l'authenticité, mais traite cela de mensonge, il est mécréant. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, ce sont les savants, arhimahumullah, qui ont soulevé ce fait-là. L'imam Ishaq ibn Rahouya, mort en 238 de l'Égypte, il a cette très célèbre parole dans laquelle il nous dit ce que je viens de vous dire. « Man balagahu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khabarun yuqirru bi sihhatihi thumma raddahu bi ghayri taqiyya fahuwa kafir. » Celui qui refuse sans scrupule un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui parvient, et dont il en approuve l'authenticité, est mécréant. Parce que si tu en approuves l'authenticité d'un hadith, pour ceux qui nous suivent dans les cours de hadith, c'est une petite leçon aujourd'hui. Celui qui, en réalité, l'authenticité d'un hadith, c'est ce qui vient nous assurer, ce qui vient te rassurer sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment dit cette chose-là, ou il l'a vraiment faite. Comme s'il l'avait faite ou il te l'avait dite à toi. Comment imaginer musulman, quelqu'un à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dirait une information? Il se passera ça. Wallah, Wallahu musta'an. Comme tu peux voir aujourd'hui de certaines personnes qui se prénomment musulmans. Tu leur parles des hadiths sur le Dajjal, sur le fait que le faux messie viendra, ou sur Nuzul Isa alayhi salam, sur le fait que Isa alayhi salam, il descendra à la fin des temps. Sur le fait que dans l'urine du chameau, il y a une guérison. Sur le hadith de la mouche. Dans ce hadith-là, le prophète Ansem nous dit, par exemple, lorsque la mouche, elle se pose sur votre boisson, faites-la tomber dedans. Parce que quand elle se pose, elle pose un poison, et sur une de ses ailes, il y a le poison, et sur l'autre, il y a la guérison. Et elle, quand elle se pose, elle met forcément le poison. Donc, le prophète Ansem nous a ordonné de faire ça. Et tu as des gens aujourd'hui, c'est authentique, ces informations-là, elles sont authentiquement rapportées du prophète Ansem. Et tu as des gens qui prétendent l'islam aujourd'hui, ils s'en moquent. Tu lui rapportes ce hadith-là, il fait « Ah, il s'en moque !» Il rigole. « Ah, le hadith de la mouche, ah, l'urine de chameau, ah, il s'en moque !» Comment imaginer cette personne musulmane? Comment imaginer que cette personne... Est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle a concrétisé cette attestation? « Anna Muhammad al-Rasulullah » Que Muhammad est le messager d'Allah. « Wallah, par Allah !» Si elle considère que Mohammed, c'était le messager d'Allah, et qu'elle savait ce que ça voulait dire, l'authenticité d'un hadith, et qu'elle rejette malgré cela ce hadith-là, elle ne peut pas être musulmane. C'est inimaginable. Comme si le prophète Sansem, il venait devant lui, il lui disait ça, il dit, t'es un menteur. Je ne te crois pas, il rigole. C'est imaginable qu'un musulman, il dise ça? Non. C'est inimaginable. Inimaginable. Et pourtant, chacun d'entre nous, peut-être ici dans cette assise-là, il a eu l'occasion de rencontrer des gens comme ça. Peut-être de sa famille, etc. Qu'Allah nous guide ainsi que eux. Bien sûr, il se peut qu'il y ait des obstacles à ces gens. Ces gens, peut-être, ils ne reconnaissent pas l'authenticité de ce fait, etc. Là, le but, ce n'est pas de rendre mécréant. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a fait ça, c'est pas l'objectif, pas de le rendre non-musulman. Mais c'est très grave. C'est très, très grave. Fait partie des implications, des exigences de cette attestation que d'attester de la véracité de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet. Troisièmement, s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimé, réprimandé. Ça, en réalité, c'est
indiquée par la réciprocité, de lui obéir dans ce qu'il ordonne. Ça implique aussi de lui obéir dans ce qu'il interdit concrètement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, justement, rapporté authentiquement, hein, je le précise, tandis qu'il prévenait de l'arrivée de gens qui finiraient par rejeter sa sunna en tant que source de révélation, prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de ce hadith-là, il dit « Wa inna ala innama harrama Rasulullah kama harrama Allah » N'est-ce pas que ce que le messager d'Allah interdit est égal à ce qu'Allah interdit. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde contre l'arrivée d'un peuple qui est réellement arrivé quelque temps après sa mort. À la fin de la vie des compagnons, ces gens-là, ils étaient déjà arrivés. Ce qu'aujourd'hui, on connaît sous le nom de Qur'aniyoun, les prétendus coranistes. Même s'ils ne méritent pas leur nom, bien entendu, mais ils se sont fait connaître par leur nom, par ce nom-là. S'ils étaient vraiment Qur'aniyoun, ils suivraient le Qur'an. Et ils y trouveraient « Man yuti'a ar-rasul faqad ata'a Allah » Celui qui obéit au messager, il obéit à Allah. Mais ils se font connaître sous cette appellation, mais en réalité, ils se sont des mécréants. Donc, il incombe à une personne qui atteste de cette attestation-là, que de s'éloigner de toute chose qu'il a interdit et réprimandée. Et quatrième chose, que l'on adore Allah que parce qu'il a légiféré. Que parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a légiféré et son messager. Qu'on n'adore pas Allah avec des innovations et les passions. On adore Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'avec ce qu'a légiféré Allah, subhanahu wa ta'ala, et son messager. Si ce n'est ce verset dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Si ce n'est le verset où Allah il nous dit, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne de Ramadan, comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété, on n'aurait pas jeûné le mois de Ramadan. Bon, si ce n'est ce verset et toutes les autres preuves qui indiquent l'obligation de jeûner Ramadan, bien entendu. Que ce soit les preuves du Coran, la Sunna. Si ce n'est ces preuves-là, on n'aurait pas jeûné. Si ce n'est les textes qui nous ont ordonné 5 prières par jour, on n'aurait pas fait ces prières-là. Parce qu'on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala par nos passions et par des innovations. Parce que la base dans les adorations, ce qu'on appelle l'ibadat, c'est ce qu'on appelle at-tawqif. C'est qu'on n'adore pas Allah tant qu'on n'a pas de texte qui nous montre qu'on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cet acte-là. D'où les savants ils ont extrait cette règle-là, sur laquelle ils sont unanimes, bien entendu. Bah, du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Aïcha, radiallahu anha, rapporté par Bukhari Muslim, dans laquelle elle nous dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rat » Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, alors cela sera rejeté. Cet acte-là sera rejeté. وَمَنْ عَمِلَ عَمَنًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ Ou dans une version, la version apportée par Muslim, celui qui accomplit un acte qui ne fait pas partie de nos enseignements, alors cet acte sera rejeté. Celui qui accomplit un acte par lequel il désire se rapprocher d'Allah. Sous-entendu, on ne parle pas des choses mondaines. Tu fais ce que tu veux dans les choses mondaines à l'origine. Pour ça, là-bas, ils te disent al-asl wal-hil, al-ibah. La base, c'est la permission, en général. Alors que dans l'adoration, la base, c'est que tu n'as rien le droit de faire. Tu n'as pas le droit d'adorer Allah comme tu le souhaites. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, des 3 hommes qui sont venus questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son adoration, quand ils sont venus chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas là. Mais ils ont trouvé l'une de ses femmes. Ils ont questionné comment était l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette femme-là, elle les a avertis du comment de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils furent étonnés. Ils ont dit « Hadha halu man ghufira ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbi » Ça, c'est le cas d'une personne à qui on a pardonné les péchés antérieurs et futurs. Que dire de nous? Pour ça qu'un, il a dit « Moi, je jeûnerai tous les jours à partir de maintenant. » Et tous les jours, je jeûnerai.
Le deuxième, il a dit, moi, je prierai toute la nuit, je dormirai pas la nuit. Et le troisième, qu'est-ce qu'il a dit? Wa ana la atazawwaju an-nisa. Moi, je ne me marierai pas aux femmes. Je m'interdirai les femmes pour adorer Allah. Dès qu'ils sont partis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été averti de ce qu'ils avaient dit. Il les a interpellés, il les a convoqués. Et il leur a dit, est-ce vous qui avez dit ceci et cela? Ils ont dit oui. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala inni atqakum. N'est-ce pas que je suis celui qui craint le plus Allah parmi vous? Pourtant, je prie une partie de la nuit et je dors une autre partie de la nuit. Je jeûne quelques jours et il y a des jours où je ne jeûne pas. Wa atazawwaju an-nisa. Et je me marie aux femmes. Faman, qu'est-ce qu'il a dit à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faman rariba an sunnati, falaysa minni. Celui à qui ma sunna déplaît, ma voix déplaît, il ne fait pas partie des miens. Il n'est pas des nôtres. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a applaudis pour leur intention? Ah ben, jamais de la vie. Est-ce qu'il a dit à celui qui comptait s'interdire les femmes pour adorer Allah? C'est bien, tu es sur la bonne voie. Tu as une bonne intention. Et les actes ne valent que par leurs intentions. Pourtant, c'est une base de la religion. Les actes, effectivement, ne valent que par leurs intentions. Mais ce n'est pas la seule base. Parmi les bases de cette religion, c'est aussi mutaba'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième base, pour ceux qui ont dit que les bases de cette religion, elles étaient de deux, c'est l'ikhlas, wa madha al-mutaba', le fait d'être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de ce genre de preuves et d'autres, hein, on voit qu'on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala comme on le veut, mais on adore plutôt Allah subhanahu wa ta'ala en suivant les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a légiféré? C'est pour ça d'ailleurs qu'il est rapporté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est rapporté de l'Fudayl ibn Iyad, une très célèbre parole et une belle parole, dans laquelle il parlait de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et faire apparaître lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Fudayl ibn Iyad, mort en 187 de l'Hégire, il a expliqué cette partie, lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Est-ce que ça veut dire celui qui a le plus d'œuvres? Non, pas n'importe lesquelles des œuvres. Le meilleur en œuvre. Al-Fudayl ibn Iyad, il a dit « Akhlasuhu wa aswabuhu ». Il a dit « Ce sont les œuvres les plus sincères et les plus conformes ». On lui a demandé « Mais c'est quoi les œuvres les plus sincères et les plus conformes ?» Il a dit « Innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal ». Si l'œuvre, elle est faite sincèrement pour Allah, mais elle n'est pas correcte, elle ne sera pas acceptée. « Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal ». Il a dit, et si elle est correcte, cette œuvre-là, mais elle n'est pas faite sincèrement pour Allah, elle ne sera pas acceptée. Hatta yakuna khalisan sawaban, jusqu'à qu'elle soit à la fois faite sincèrement pour Allah et correcte. Et ce qui est sincère, c'est ce qui est fait sincèrement pour Allah. Wa sawab makana ala sunnah. Et ce qui est correct, c'est ce qui est fait conformément à la sunnah. Et c'est ça qui est indiqué par cette attestation-là. La ilaha illallah wa anna Muhammad ar-Rasulullah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. La sincérité. Le culte exclusif. Wa anna Muhammad ar-Rasulullah. Le fait qu'on doive suivre exclusivement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une précision importante. Bon, avant ça, il y a une parole d'Ibn Taymiyyah que je vous ai mis ici contre, intéressante, dans laquelle il nous dit فَأَمَّا النِّفَاقُ الْمَحْضُ الَّذِي لَا رَيْبَ فِي كُفْرِ صَاحِبِهِ فَأَلَّا يَرَى وُجُوبَ تَصْدِيقَ الرَّسُولِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ وَلَا وُجُوبَ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَإِنْ اعْتَقَدَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ عَظِيمُ الْقَدْرِ علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته لكنه يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغيره وبغير متابعته فهو كافر
Il nous dit, quant à la pire hypocrisie sur laquelle il n'y a pas le moindre doute quant à la mécréance de son auteur, ce serait celui qui ne voit pas l'obligation de croire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous transmet, ni l'obligation de lui obéir dans ce qu'il ordonne. Même s'il a pour croyance que le messager a une énorme importance et qu'il dit qu'on peut le croire et lui obéir, mais que ce n'est pas obligatoire. Mais qu'il dit, pardon, mais ce n'est pas problématique que de ne pas avoir la même religion que lui, à partir du moment où celui qu'on adore est le même, et qu'il voit qu'on peut être sauvé en suivant le prophète et en suivant autre que lui, alors il est mécréant. C'est ça qu'il veut te dire, c'est que c'est la pire des hypocrisies. C'est une mécréance évidente. Et cette précision importante que je voulais faire concernant ces quatre choses que je viens de mentionner plus haut, qui sont les exigences de cette attestation, c'est que être véridique dans cette attestation ne veut pas dire ne pas avoir de manquement. Quand on dit que c'est parmi les exigences de cette attestation que d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il ordonne et de s'écarter de ce qu'il interdit, ça ne veut pas dire que celui qui ne lui obéit pas dans tout, par manquement, hein, il n'est pas musulman. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que toute personne, du coup, qui ferait un péché, il serait devenu non-musulman parce qu'il ne se sera pas imposé les exigences de cette attestation-là. Bien sûr qu'il aura eu un manquement dans sa foi, d'ailleurs. Toute personne qui fait un péché voit sa foi, en réalité, diminuer. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a un manquement, c'est ce que je voulais dire, il n'a pas rempli les conditions, les exigences de cette attestation-là. À partir du moment où il ne rejette pas cette chose-là. C'est ce point-là que je voulais souligner. En fait, ce qui est surtout demandé dans ces quatre exigences-là, c'est en réalité la soumission. La soumission à la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à ses ordres, à ses interdits, à ses informations et au fait qu'on ne doive adorer qu'Allah, Allah que parce qu'il a légiféré, que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Sous-entendu la soumission, mais ce n'est pas celle qui n'implique aucun manquement. Sous-entendu celui qui a le moins de manquement, il n'est pas musulman. Non. Mais c'est surtout la soumission qui s'oppose encore une fois à cette notion de rejet. Parce qu'on a des gens comme... C'est ce qu'on visait derrière le fait que certaines personnes ne remplissent pas ces exigences-là et on craint pour eux qu'ils ne soient du coup pas musulmans à travers leur rejet des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses commandements, de ses interdits, de ses informations, du fait que l'on ne doive adorer Allah que parce qu'il a légiféré. On craint pour ces gens. On n'est pas en train de parler de ceux qui ont d'éventuels manquements. Chacun d'entre nous, il a des manquements. Mais tu as des gens qui rejettent, comme on a illustré tout à l'heure. Tu leur ramènes un ordre du prophète Sam, l'ordre de la barbe. Ils rigolent, ils se moquent. La barbe là, votre truc de barbare. Le voile, votre truc de gens qui sont retardés dans le développement. Votre voile là. Vos femmes, elles sont voilées, elles sont soumises. Des gens, des fois, qui prétendent l'islam. Ce signe de soumission, ce signe de barbarie qu'est le voile. Sac poubelle. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Lui, il prétend l'islam. Lui, il s'est soumis. Lui, il a rempli les exigences. Anna Muhammad, Anna Rasulullah. On craint pour lui que non. On craint pour lui que non. Moi, souvent, ça me fait rire leurs attaques au voile, que ce soit les mécréants ou ce genre en qui, dans les cœurs desquels il y a des maladies, on craint qu'il y ait l'hypocrisie sur le voile, etc. Quand ils te disent c'est, ça fait régresser, enfin, on dirait les gens arriérés, qu'ils n'ont jamais évolué, etc.
Oui, là, c'est qui ressemble le plus aux arriérés entre vous et nous? Entre nos femmes voilées et vos femmes nues? C'est ironique que je dise ça, mais entre nos femmes et vos femmes, celles qui ressemblent plus aux tribus arriérées d'Amazonie, c'est vos femmes. Franchement, c'est vos femmes à vous qui ressemblent plus à ça. C'est un développement que la femme elle soit couverte. Parce qu'on a pris connaissance du danger auquel elle s'expose, qui est concret, qui est réel. Tout comme on est exposé quand on ne sort pas couvert en temps de froid à la maladie, la femme qui ne sort pas couverte, elle s'expose à une augmentation de probabilité que l'on atteigne son honneur et qu'on l'agresse, qu'on la convoite, que des pervers la convoitent quand elle sort découverte. C'est la même chose. C'est la même chose. Bon, c'était une petite parenthèse qui n'avait pas forcément de rapport avec le cours, mais. Subhanallah. Donc, ce qui est demandé là, c'est la soumission, en réalité. C'est pour ça qu'on a cette parole de l'imam Az-Zuhri, né en 50 et mort en 125 de l'Hégire, qui nous dit Min Allahi ar-Risala, wa ala ar-Rasuli al-Balagh, wa alayna at-Taslim. D'Allah provient le message, au messager. De transmettre au messager revient l'obligation de le transmettre ce message et à nous de nous y soumettre. Et c'est ça qui est voulu par cette attestation-là. On doit se soumettre aux ordres, au délaissement des interdits, au fait de rendre véridiques ces informations et au fait d'adorer Allah comme il l'a légiféré lui. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas aux croyants et à la croyante. S'ils veulent être véridiques dans leurs prétentions, il n'appartient pas aux croyants et à la croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans la manière d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et au messager se sera certes égaré d'un égarement évident. T'as pas le choix. Tu dois te soumettre. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de manquement, mais tu dois te soumettre, tu ne dois rien rejeter. Et sur tes manquements, sur nos manquements, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Mais ce n'est pas tu commences à te rendre licite ça en rejetant les choses pour essayer de consoler ton âme. Parce que la plupart que je vois souvent quand ils essayent de rejeter, c'est pour consoler leurs manquements. Subhanallah. Tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des. C'est le sens de cette attestation-là. Si tu aimes vraiment Allah, tu dois suivre ce messager. C'est pour ça d'ailleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit. Astaghfirullah. Astaghfirullah. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis-leur, ô Mohammed. Si vraiment vous aimez Allah, alors suivez le messager. Alors suivez-moi. Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés. Ce verset-là, subhanallah, les savants ils l'ont appelé Ayatul Imtihan, le verset du test, le verset de l'épreuve. Tu prétends aimer Allah? Pourquoi tu ne suis pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi tu ne suis pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses ordres? Dans ses interdits, dans ses informations. Tu prétends aimer Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe de la descente de Isa alayhi salam, tu déments ce fait. Quand on t'appelle au port de la barbe, tu t'en moques et tu t'en détournes. Voilà, yadoubina. Après ces deux attestations-là, il y a une autre remarque sur laquelle je voulais avertir. Je voulais vous avertir. Il est obligatoire, comme on l'avait souligné à la fin du cours dernier, il est obligatoire de prononcer oralement cette parole, ces attestations, pour celui qui en a la capacité. C'est ce qu'on avait cité en tant que neuvième condition lors du dernier cours, pour ceux qui avaient souligné cette neuvième condition parmi les sables. La preuve en était ce qui a été le cas pour Abu Talib, l'oncle du prophète, qui malgré sa défense des musulmans et de l'islam,
sa proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ça, il est mort mécréant parce qu'il n'a pas voulu prononcer l'attestation de foi, les deux attestations de foi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Qul, la ilaha illallah, ashhadu biha, laka yawm al-qiyama. Dis la ilaha illallah, afin que je puisse, le jour du jugement, intercéder, attester en ta faveur. Sous-entendu, si tu le dis pas, je pourrais pas le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça, vu qu'il l'a pas fait, parce qu'il s'est enflé d'orgueil en voulant rester sur la religion de ses aïeux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux textes, il nous a informé, et même Allah subhanahu wa ta'ala, inna kala tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est plutôt Allah qui guide qui il veut. Allah nous informe de, les textes nous informent que Abu Talib est mort sur la mécréance, malgré qu'en son cœur, il avait cette foi en la véracité de l'islam. Parce qu'il n'a pas voulu la prononcer, alors qu'il pouvait le faire. Et n'est-ce pas que s'il n'a pas voulu le faire, c'est parce qu'il s'est enflé d'orgueil. Bref. Et la deuxième remarque sur laquelle je voulais attirer l'attention, c'est le fait qu'il n'est pas obligatoire, il y a un phénomène très courant de nos jours, c'est le fait de se convertir à la mosquée. Penser qu'il est obligatoire de le faire à la mosquée pour que ce soit valide, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur que de penser que ce n'est pas valide si tu ne le fais pas à la mosquée. Beaucoup de gens pensent ça. Même moi, personnellement, à titre personnel, lorsque je me suis converti, je pensais que c'était limite une condition de le faire à la mosquée. Non, ce n'est pas une condition. La personne, même si elle est toute seule entre quatre murs et qu'elle prononce cette attestation en réunissant bien sûr les conditions, etc., etc., elle est devenue musulmane. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a une erreur qui en découle, qui est vraiment très très grave. C'est le fait que certaines personnes qui désirent se convertir, quelquefois on les retarde dans leur conversion à cause de ça. Parce qu'il faut prendre rendez-vous à la mosquée, etc., etc. Du coup, on lui dit, quelqu'un il vient à la mosquée, il dit « j'ai envie de me convertir ». Il lui dit « reviens après-demain, reviens mardi, reviens dimanche, tu vas te convertir, Inch'Allah ». Non, c'est pas comme ça. S'il est sûr d'avoir compris l'islam, etc., il faut qu'il se convertisse tout de suite. Il ne faut pas qu'il retarde sa conversion à l'islam. S'il veut ensuite le faire publiquement à la mosquée pour des intérêts un peu, quelquefois administratifs, cette fameuse attestation de conversion, etc., pour aller à la Mecque, etc., etc., ah, il le fera à la mosquée. Mais qu'il se convertisse maintenant. Qu'il sort du nombre des mécréants destinés à l'enfer vers le nombre des croyants destinés au paradis par cette parole. Il ne faut pas qu'il retarde, ne serait-ce qu'une seconde après avoir été convaincu par ce message. Et l'avoir compris, etc., etc., c'est pas... Il ne faut pas qu'il le retarde. Donc c'était une remarque sur laquelle je voulais attirer votre attention. L'auteur, il nous dit ensuite, « Rahimahullah, ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمس وهي الصلاة والزكاة والصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. L'étudiant éclaircit ensuite le reste des piliers de l'islam, la prière, l'aumône obligatoire, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en est capable. On va essayer d'aller un peu plus vite pour cette partie-là. Le deuxième pilier de l'islam, conformément au hadith de Ibn Omar, qu'on a mentionné la semaine passée, en tant qu'introduction à ce cours-là, le cours numéro 2, portant sur les piliers de l'islam. Bouni al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqami salah. L'islam a été construit sur cinq choses. L'attestation que nulle autre divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et l'accomplissement de la prière. On est bien sur ce deuxième pilier-là, l'accomplissement de la prière. Et ce qui est voulu par le pilier ici, ce sont les cinq prières quotidiennes. Ce sont les cinq piliers, les prières quotidiennes qui sont piliers. Le reste des prières, ils ne sont pas considérés en tant que piliers. Bon, il y a des divergences sur l'obligation de certaines, etc., etc., tahiyat al-majdid, etc. Mais ce qui est voulu par le pilier, ce sont les cinq prières quotidiennes. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Donc, on a tendance à dire
Le deuxième pilier de l'islam, c'est la prière, l'accomplissement de la prière, sous-entendu l'accomplissement des 5 prières quotidiennes, conformément au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Akhbirhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. Informe-les, après qu'ils aient attesté que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, et dans une version qu'ils unifient Allah, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières quotidiennes, de jour comme de nuit. Informe-les ensuite, s'ils acceptent cela de toi, qu'Allah a rendu obligatoire 5 prières de jour comme de nuit. Elles ont été rendues obligatoires, ces 5 prières quotidiennes, pendant la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, 3 ans avant l'hégire. C'est un sujet sur lequel il y a pas mal de divergences entre les savants. Quand a eu lieu le voyage nocturne et l'ascension? Mais on va partir du principe qu'on ne vous brouille pas avec toutes ces choses. Donc, on va dire 3 ans avant l'hégire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pendant la nuit du voyage nocturne et de l'ascension qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire à cette communauté 5 prières quotidiennes. Alors qu'à l'origine, comme vous, la plupart d'entre vous le savez, c'était 50 prières qui nous avaient été demandées. On aura l'occasion de détailler ça lorsqu'on en viendra au chapitre de la prière plus précisément. C'est une des adorations les plus importantes. C'est le deuxième pilier le plus important de l'islam. Et suffit pour démontrer l'importance de cette adoration-là que de préciser la divergence qu'il y a eu entre les savants sur la mécréance de celui qui délaisse la prière par paresse. Je vous ai mis un tableau ci-contre. On va essayer de pas trop, si je puis dire, s'attarder sur la divergence aujourd'hui. On aura l'occasion de s'y pencher avec plus de détails lorsqu'on entamera le chapitre de la prière. Mais petit résumé de ce qui se passe autour de la question du délaissement de la prière. Il faut savoir que le délaissement de la prière, il est de 2 catégories. Soit la personne délaisse la prière en reniant son caractère obligatoire, cette personne-là est mécréante par unanimité de la communauté. En reniant son caractère obligatoire, c'est-à-dire, par exemple, tu lui demandes pourquoi tu ne pries pas. La personne, elle te répond: la prière, c'était au Moyen-Âge, qu'est-ce que tu me racontes? La prière, tu sais, tu vois une formule comme ça de rejet du caractère obligatoire de la prière. Cette personne-là, elle est mécréante par unanimité. Et elle n'a pas d'excuse si ce n'est si on estime que en elle, il y a une certaine ignorance qui l'a fait ignorer les textes à l'origine même prouvant l'obligation de la prière. À savoir, par exemple, il te donne un exemple, les savants, une personne de qui on peut imaginer qu'elle est excusée par son ignorance, comme le converti, la personne qui s'est convertie récemment à l'islam, ou celui qui vit loin des villes, des musulmans, etc., etc. Une personne qui est semblable à ces personnes-là, dont l'ignorance est concevable, si on veut être plus précis. Pourquoi il te dit c'est un mécréant, cette personne-là? Parce qu'il aura réuni le caractère obligatoire de la prière, forcément alors qu'il a eu les preuves qui lui ont été présentées, indiquant l'obligation de la prière. Donc forcément, il lui est parvenu, par exemple, ils estiment qu'il lui est parvenu ce verset où a prié mon salat et accomplissait la prière. Et s'il renie le caractère obligatoire de la prière, c'est qu'entre guillemets, il a vu ce verset et il n'y a pas cru. Donc, vous savez, mécroire en un verset du Coran, ça fait sortir la personne de l'islam. Plus précisément encore, mécroire en un mot du Coran, ça fait sortir de l'islam. Plus précisément encore, mécroire en une lettre du Coran, ça fait sortir de l'islam. C'est pour cette raison qu'il le considère mécréant, celui qui renie le caractère obligatoire de la prière. Le deuxième cas possible quand la personne délaisse la prière, c'est qu'elle le délaisse, elle la délaisse par paresse. Tu lui demandes pourquoi tu ne pries pas. La personne, elle te répond, qu'Allah me guide, je n'ai pas le temps, ceci, cela, cela. Mais il ne renie pas le caractère obligatoire de la prière. Sur cette personne-là, les savants, ils ont divergé en 2 avis. Les savants anciens comme contemporains, sur cette personne-là, ils ont divergé en 2 avis. Il y en a qu'elle considère mécréant, d'une grande mécréance, qu'il est sorti de l'islam, celui qui ne prie pas,
Il est sorti d'islam. Après, ils ont divergé entre eux, ces gens-là, à partir de combien de prières il est considéré mécréant. Il y en a qui te disent il délaisse une prière. Il laisse sortir une prière de son temps, sans excuse. Il est sorti d'islam. D'autres, ils te disent non, c'est quand il délaisse mutlaq as-salah, quand il ne prie pas de manière générale. On peut appliquer sur lui cette caractéristique de non-prieur. Il ne prie pas. Sous-entendu, ils ne veulent pas te rendre mécréant celui qui prie une prière de temps en temps, etc. Bref. D'autres savants, on verra ça plus en détail au moment voulu, hein, en amenant les preuves de chacun, etc. Les avis, c'est l'avis de qui, etc. D'autres savants, qui représentent la majorité des savants, ils te disent que non, il est toujours musulman, mais c'est un musulman pervers. Il a fait un grand péché, un très grand péché. Et suffit pour montrer, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la grandeur de ce péché-là, qu'on diverge si t'es musulman ou non. C'est déjà triste qu'on diverge sur toi. Et on détaillera cette question-là au moment voulu, Inch'Allah. Ce qui suffit de comprendre, c'est qu'il y a divergence sur ce cas-là. Sur quel cas il n'y a pas divergence, sur quel cas il y a divergence. C'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui s'en prennent à beaucoup de savants de la Sunna parce qu'ils considèrent que celui qui délaisse la prière par paresse, c'est toujours un musulman. Toujours un musulman, mais qui a accompli un grand péché et dont la foi est basse et a diminué. Ils te disent, wa muslimun fasiqun qadir takaba kaba kabiratan min kaba'ir dhunub. C'est un musulman, mais il est fasiq. Il est pervers en religion. Il a fait un grand péché. Et ils sont pas en train, quand ils te disent qu'il est musulman, ils te disent pas que c'est pas grave de délaisser la prière. C'est pas ça qui doit être compris. Non. Non, ça fait partie des pires péchés que de délaisser la prière, qu'on dise de toi que t'es un mécréant ou non. Parce qu'il y a des gens, quand t'es de cet avis-là, ils te disent oui, mais du coup, si on dit qu'il y a divergence, les gens ils vont penser que c'est pas grave de délaisser la prière. Non, c'est pas ça. Ça reste, comme Ibn al-Qayyim, il le précise dans son livre, un péché plus grave que le meurtre, plus grave que la fornication, plus grave que le vol. Et je précise, quand on dit plus grave que, ça ne veut pas dire que le mafboul, ou du moins, par exemple, ici, la fornication, le meurtre, le vol, ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Non. Ça veut dire que ça, c'est grave, mais ça, c'est encore plus grave. Mais décréter de la sortie de l'islam de quelqu'un ou non, c'est un hukm shar'i, comme le savent ceux qui nous ont suivis dans les cours des années natives de l'islam. C'est un jugement religieux. C'est pas à toi de le faire. C'est les textes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a divergence. C'est ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui. Et la question, elle est donc bel et bien sujette à divergence entre les savants de la Sunna. Une très grande divergence qui plus est. Troisième pilier de l'islam, az-zaka, l'aumône obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, wa aqimus salah wa atuz zakah. Accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. Et il y est fait référence dans ce hadith d'Ibn Omar rapporté par Muslim, bunya al-islamu ala khams. L'islam a été construit sur cinq choses, sur cinq piliers, et parmi ces cinq piliers-là, le troisième, wa ita'i zakah, le fait de s'acquitter de l'aumône obligatoire. On parle ici de la zakat dans les biens, dans le Hamouel, légiféré l'année 2 de l'Égir. C'est donc un pilier qui a été affirmé dans le Coran, dans la Sunna et par l'unanimité des savants. Ces cinq piliers-là, ils sont sujets à unanimité, consensus des savants. Quatrième pilier, le jeûne, Saum. Le jeûne du mois de Ramadan. Il a été légiféré l'année 2 de l'Égir, lui aussi, en passant par plusieurs étapes. Premièrement, l'obligation, c'était de jeûner à Ashura, comme il a été rapporté dans nos deux recueils authentiques. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, et le jour de Ashura devint surrogatoire. Au début, le mois de jeûne de Ramadan, il était obligatoire, mais les gens, ils avaient encore le choix, enfin, ils avaient le choix de soit jeûner, soit nourrir. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a imposé à toute personne capable de jeûner. Au début, même celui qui était capable, il avait le choix de soit jeûner, soit nourrir.
Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a abrogé cet ordre-là en rendant obligatoire à toute personne capable de jeûner de le faire. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Celui qui assiste à ce mois-là, qu'il le jeûne. Par ce verset-là, le jeûne de Ramadan devint obligatoire pour toute personne capable de le jeûner. Cinquième pilier, le pèlerinage. Le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en est capable, du coup. وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا, précisé dans le hadith en question de Ibn Omar. Le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en est capable. Et l'obligation, c'est de la faire une fois dans la vie. Une fois dans la vie, bien entendu, en étant pubère et libre. On précisera peut-être ça si on fait une parenthèse sur ce chapitre-là, durant l'étude de ce livre-là. Ce qui dépasse donc cela, donc là, si tu le fais une deuxième fois, une troisième fois, etc., à partir du moment où tu l'as fait une première fois, en étant libre et pubère, c'est le hajj suffisant, ce qu'on appelle hajjatul islam. Le hajj qui était obligatoire, enfin qui était pilier dans la vie, obligatoire. Et le hajj, le pèlerinage, il a été légiféré l'année 9 de l'Hégire. Il a été rendu obligatoire l'année 9 de l'Hégire. Après avoir parlé, fait une brève présentation de ces cinq piliers, il y a encore une remarque que je voulais faire, qui est très importante, qui est le jugement lié au délaissement des piliers de l'islam. On a parlé un peu de ça pendant le cours, mais là je veux isoler la parole sur le délaissement des piliers de l'islam. Premièrement, il faut savoir qu'aucune divergence ne réside entre les savants, n'est présente, n'existe entre les savants, sur le fait que celui qui délaisse le premier pilier, à savoir les deux attestations de foi, il est mécréant. Il n'y a aucune divergence à ce sujet-là. Par contre, sur le délaissement des quatre autres piliers, il y a des détails à faire. S'il les délaisse, j'aurais dû mettre un tableau, hein, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû le faire. S'il les délaisse en reniant leur caractère obligatoire, il est mécréant. On en a parlé tout à l'heure pour la prière. Si quelqu'un il délaisse la prière en reniant le fait que la prière elle est obligatoire et il n'est pas parmi les personnes qui peuvent être excusées par cette dénégation-là, il est mécréant par unanimité des savants. Pareil pour la zakat, pareil pour Ramadan, pareil pour le hajj. Donc s'il délaisse ces choses-là, d'ailleurs même s'il est fait, mais il renie leur caractère obligatoire, il est même tombé dans cet annulatif-là de l'islam. Mais s'il les délaisse en reniant leur caractère obligatoire, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent, il est mécréant. Celui qui maintenant les délaisse sans renier leur caractère obligatoire. Comme on a dit pour la prière tout à l'heure, concrètement par paresse. C'est une question qui est sujette à divergence entre les savants. En réalité, la question, elle revient essentiellement à la prière. Au délaissement de la prière. Parce que, bon, concrètement, c'est souvent le pilier sur lequel il y a plus de débats entre les savants sur l'islam de celui qui le délaisse ou non. Mais cette question-là a été traitée de manière générale aussi pour les quatre piliers, de manière générale. Parce que de toute manière, pour ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière, qui jeûnent, qui fassent le hajj ou pas, pour eux, ce n'est pas accepté. Du coup, la question, elle revient essentiellement sur la prière. Mais on va citer une parole d'Ibn Taymiyyah très intéressante sur le sujet. Et je vais vous dire pourquoi je parle de ce sujet après. Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, volume 7, page 302, il dit « وَقَدِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ Les musulmans sont unanimes sur le fait que celui qui ne vient pas avec les deux attestations est mécréant. Quant aux quatre œuvres, les quatre autres piliers, ils ont divergé sur l'anathémisation de celui qui les délaisse,
sur la mécréance de celui qui les délaisse. وَنَحْنُ إِذَا قُلْنَا أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ يُكَفَّرُ بِالذَّنْبِ فَإِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ الْمَعَاصِي كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ. A préciser que lorsque nous disons que les adeptes de la sunna sont unanimes sur le fait que personne ne doit être rendu mécréant pour un péché, il est question en réalité des désobéissances comme la fornication, la consommation d'alcool, sur le fait de faire un péché, pas de délaisser une obligation, surtout un pilier, une obligation. Bon. Là ici, il te dit après, quant à ces piliers-là, وَأَمَّا هَذِي الْمَبَانِي فَفِي تَكْفِيرِ تَرِكِهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ. Quant à ces piliers-là, pardon, il y a sur l'anathémisation de celui qui les délaisse une divergence connue. L'anathémisation, c'est le fait de le rendre mécréant. L'excommunier, etc. Donc, Ibn Taymiyyah, il va te rapporter les différentes positions qui ont lieu entre les savants sur celui qui délaisse ces quatre piliers-là. Par contre, il parle bien d'une personne qui les délaisse par paresse. C'est à préciser. Il te dit وَعَنْ أَحْمَدْ فِي ذَلِكَ نِزَاعٌ وَإِحْدَى الرِّوَيَاتِ عَنْهُ. Même ce qui est rapporté d'Ahmed est sujet à divergence. Même la position d'Ahmed, elle est sujette à divergence. إِحْدَى الرِّوَيَاتِ عَنْهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَابْنِ حَبِيبٍ. L'une des narrations qui lui sont attribuées, que la personne mécroit en délaissant l'un de ces quatre piliers. C'est le choix d'Abu Bakr al-Khalal et d'un groupe parmi les suiveurs de Malik, mort en 119, comme Ibn Habib. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ إِلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَقَطْ. La deuxième narration qui lui est attribuée à Ahmed, que la personne ne mécroit que si elle délaisse la prière et l'aumône. وَرِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ لَا يَكْفُرُ إِلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إِذَا قَاتَلَ الْإِمَامُ عَلَيْهَا. Que la personne, la troisième narration, le troisième avis attribué à Ahmed, que la personne ne mécroit que si elle délaisse la prière et l'aumône, si le gouverneur combat pour celui qui refuse de la donner. En gros, c'est comme la deuxième, sauf que ici, la personne, elle ne mécroit pas si elle délaisse la zakat, par paresse, sauf s'il la délaisse, malgré que l'imam y combat celui qui la délaisse. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ رَابِعًا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ إِلَّا بِتَرْكِ الصَّلَةِ. La quatrième narration qui est attribuée à Ahmed, c'est que la personne ne mécroit que par l'abandon de la prière. Et c'est ce qui est connu des Hanabila aujourd'hui. وَخَامِسَ لا يكفر بترك شيء منهن وهذه أقوال معروفة للسلف. La cinquième narration attribuée à Ahmed, que la personne ne mécroit pas par l'abandon de ces choses-là, même si elle délaisse les quatre, tant qu'elle est venue avec les shahadatayn, les deux attestations, et que cet abandon-là, il est par paresse, pas par dénégation de leur obligation. Et Ibn Taymiyyah, il termine cette parole en disant, et ce sont des paroles connues des pieux prédécesseurs. La cinquième étant l'avis de Zuhri. L'imam Zuhri, né en 50, mort en 125 de l'Hijra. C'est l'avis de grandes montagnes de science de nos jours, comme Sheikh Al-Albani, Sheikh Rabi'a. Et pourquoi j'ai précisé ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de critiques qui sont dirigées vers ces imams-là, qui sont de cet avis-là. On les insulte de Murji'a, alors que ce n'est pas du tout l'avis des Murji'a. Ce n'est pas du tout l'avis des Murji'a. C'est une précision qu'il fallait faire. Ça, c'est pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. Ceux qui ne comprennent pas, Alhamdulillah, baqou ou ibqou ala fitratikum. Ceux qui ne comprennent pas, restez sur votre nature saine, si je puis dire. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas la question en réalité, qui ne savent pas ce que c'est de l'irja en réalité, et qui s'en prennent aux savants de la sunna. Parce qu'en réalité, ils ne rendent pas mécréant celui qui abandonne la prière par paresse. Alors qu'on a mentionné que c'était l'avis de la majorité, en vrai. Pourquoi je précise? Parce que ça renvoie précisément à cette question-là. On les traite de Murji'a. Alors que Ibn Taymiyyah, qui n'est même pas de cet avis-là, Ibn Taymiyyah qui voit que celui qui délaisse la prière par paresse, c'est un mécréant, il te ramène quand même que ces paroles-là, c'est l'avis de Ahlus Sunna. C'est des avis de gens de la Sunna. Donc c'était une précision qu'il était important. Sûrement, ça ne parle pas à beaucoup de gens parmi vous. Mais c'est intéressant de le mentionner, je trouve. Wallahu a'lam. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين
اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم اجعلنا للمتقين إماما اللهم زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.